est 4h50 du matin. Va dormir. Par contre, elle va pas bien. Avant, elle allait bien, elle a fait un gosse et... Arrête de pleurer. De dormir. Réveille-toi, t'as... Ah, voilà. Change diaper, cuddle, play. Toto chez Kananumbo. Bon, en vrai, qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec un bébé, en fait? Parce que c'est comme dans les Sims 4, en gros. Attendez. Ceci regerbe dessus. Je veux le voir, en première loge. Ah, c'est cute! Ah ouais? Ah bah oui, écoute, pourquoi pas laisser l'enfant par terre, t'as raison. Et elle doit repisser, re-se-laver. Arrête! Avec ton gosse. Oh, ça m'a gavé. Tu vas. Tac, tac. T'as fait quoi? Mais elle l'a mis par terre! Mais laisse-le tranquille, ce gamin. Tu crois qu'il va passer sa vie par terre tout le temps? Ah mince, il faut payer les factures. C'est vrai que là, on est resté un petit peu... centré sur nous-mêmes. Un pingouin! Le retour du pingouin solitaire. Ah, j'en peux plus. Oui, il galère un peu à avancer, le pingouin, là. Il n'arrive pas. Allez, pingouiné. Oh, t'as bien mangé, hein, cet été, hein. Oh là là, hein. Oh, bah, il est disparu. Il est là. Ah non, c'en est un autre. Clarence Philippine. Je pensais que c'était Trevor. Ah, on a tellement accouché vite qu'on n'a pas eu le temps de rappeler Trevor pour lui faire des choses. Play. Snowball fight. Vas-y, vous avez... Alors, salut Shirley. Si tu sais, je crois que tu pourrais t'entendre, je pense que c'est ça, avec une personne que je connais. J'aimerais bien vous rencarder sur une blind date, un rencard à l'aveugle. Oui. Hein? Mais d'où il vient, lui? Et puis il est moche? Oh la vache! Le mec, il est... Dans l'épaisseur, quoi. C'est pas ça qu'il va le raccorder avec ce machin, là? Il a même pas de barbe. Ce pif! Mais c'est pire que Sanjay! Qu'il est moche! Ask on date. T'es sérieuse, là, Shirley? Bah, heureusement qu'on a fait un gosse avec Morty, hein, parce que vu la gueule des autres... Oh! What? C'est ça, les rencarts? 3 minutes de rencard? J'avais complètement zappé, ce truc-là. Et donc là, on doit discuter tout avec lui. Hello there, Shirley. Tu as un beaucoup en commun avec mon amie Barbara Beatty. Ça te dérange pas si je lui donne ton numéro? Je sais que vous pourrez... Bah, ouais, mais non. Alors non. Bah, on n'est pas contre être amis avec une fille, mais bon. On cherche à... Bon, pour l'instant, c'est pas non plus le truc incroyable. Bah, c'est vrai qu'elle... Ah, ça y est, elle va... Le gamin! Le pauvre gosse, si je l'ai entendu hurler. Ah, c'est monté à Good! Et j'ai plus de temps maintenant. Je comprends pas trop, mais ok. Tu vas le cuddle et tu vas le nourrir. Je pense que c'est ça qu'il a faim, en fait. Mais elle doit aller bosser! Mais c'est une blague! Tout en même temps, comment voulez-vous que je m'en sorte? Le gosse, il est par terre. Faut qu'elle nourrisse, faut qu'elle aille bosser. Non, mais vas-y, occupe-toi de ton gamin, quand même. Il y a le rencard. Remets. Tu vas hug romantique. Ouais, je savais pas qu'il fallait qu'elle aille au travail. Elle est partie bosser. Non. Et l'enfant? Ah non, regarde la télé! Mais quoi? Mais c'est qui ce mec? Dans le jacuzzi? C'est Clarence. Vous croyez qu'on peut se faire une partie à trois dans le jacuzzi? Ou comment ça se passe? Je comprends plus rien, moi. Le mec, on le connaît pas. Il nous maque avec un autre type qu'on connaît pas. Ils sont tous les deux dégueux. Il s'appelle comment? Sinjin Wong. Elle est toujours dans son jacuzzi, t'es toujours dans sa jalousie, hein. Tu peux, chou? Tu peux lui dire au revoir? Mais le gamin! Tais-toi, le gosse! Allez, embrasse-le. Oh, oui. Tu
peux pas faire mieux? Ah bah c'est normal, t'as le type qui est en train de le prendre dans les bras là. Laisse notre enfant tranquille, non? Il reste 35 secondes. Eh, hey, elle aime bien son jacuzzi, la petite Shirley, hein. Elle kiffe. Tu peux que le kiss peck, hein. Tu peux rien faire d'autre. Voilà. Oh putain, le gamin, il est par terre. Et en plus, elle a pas été taffée. Non mais c'est bon, sors du truc maintenant. Pauvre petit bébé. Oh la vache. C'est difficile quand même de s'occuper d'un enfant. On va le nourrir. Mais je suis sûre qu'elle va se prendre une engueulade pour ce qu'elle a pas été bossée, quoi. Ah, c'est son anniversaire dans un jour. Bah, ça va être comme ça dans le jeu. Oh ouais, merde, même la bouffe, elle a pourri. Oh merde. Tu peux le remettre dans son truc. Là, il faut que tu cleanes, là. Faut que tu cleanes tout, là. Mais j'ai... S'il te plaît, nettoie, fais le ménage. Ouais, bah t'es... J'y peux rien, t'es fatiguée. Alors, ok, bah, elle était en vacances. Ce pauvre enfant dort. Elle a faim, bah ouais. Have a snack, chips. Allez, tu as le droit de manger des chips. Bon, ça va, le paquet de chips, cocotte? Non mais, vous pouvez partir aussi, hein, monsieur. C'est goodbye. Oh, puis il est dégueulasse. Il y a rien qui va. La coupe de cheveux, tout ça. Bon, bah, tu vas te coucher. Oh la vache, hein, quand même, ça devient spécial. Hein. Et le gamin qui hurle pile à ce moment-là. Cuddle. C'est quoi que tu veux, mais tu pues, mon petit. Change diaper. Je crois qu'il y a encore un mec dans mon jacuzzi. Allô, maman. T'es mignon. Tu peux le remettre dans son lit, tu peux nettoyer la couche. Et tu peux retourner te cocher. Regardez-moi comme elle a bien mangé, qu'elle a bien dormi plutôt. Putain, mais bébé, il pleure encore. Il est chiant ce gosse. Mais il y a encore Clarence qui est dans le jacuzzi. Il a passé toute la night dans le jacuzzi. Il s'est passé quoi là? Il y a un truc temporel ou quoi? Oh, je ferais mieux d'y aller! Bah, t'as passé juste les 5h30 du matin et t'as passé la nuit ici, donc. Allez, mange. Ton enfant va bientôt grandir. Hein. Il va popper comme ça, on aura rien compris à la vie. Putain, mais avec. Il regueule! Avec la musique qui est super forte, je l'ai pas entendu le machin. Ah, mais il fait que hurler, hein! C'est insupportable en fait! Tu vas play. J'ai envie qu'il te gerbe dessus, mais qu'on soit aux premières loges. Ah, ça y est. Là, on va bien voir s'il gerbe le gamin. Les bébés, ça fait que gerber, on est au courant. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oh non! Je suis tristesse. Elle va mieux. Le gamin, il va bien. Ça, c'est de la danse! Pas comme dans les Sims 4 où la danse elle est pourrie. Là il y a de la vraie danse, tu vois. Pourquoi ton environnement il est pas bien en fait? Je t'ai ajouté des fenêtres et tout. Tu vas clean. Mais elle va encore le foutre par terre, tu vas voir. Son enfant en fait elle croit que c'est une assiette. Regarde, hop. Tu te fous. Eh. Oh là là, j'ai mis mon enfant par terre et il me gêne. Est-ce qu'elle bosse parce que... Elle est censée bosser. Hein. On ira travailler aujourd'hui. Et elle a besoin de charisme. Donc tu vas pratiquer speech. Tout avec la musique incroyable. Pour gagner des points de skills et avoir une promotion. Est-ce que je dois appeler une babysitter? Comment on fait quand elle est pas là, le bébé, il est où lui? I have other responsibilities, but I just can't bring myself to leave the little ones home alone. Donc il y a un... Ouais, il faut faire un truc de... Vas-y, va changer la couche, là. Je sais plus comment on fait, purée. Ah, ben voilà, service. Ah ouais, nanny. Just for now. Eh, mais tu peux pas les taffer? Attendez, je comprends rien, là. Du coup, elle peut pas les bosser? La voiture, elle est partie. Ah. Non, mais j'ai appelé une nanny, mais là, je voudrais qu'elle aille bosser. Parce que dans ce cas-là, ça sert à rien qu'elle vienne, la nanny. Elle est là. Elle est là, la vieille, là. En fait, faut que j'appelle avant. Non, mais là, elle danse de ouf, elle. Hein. Mais oui. Mais c'est bon. Elle peut marcher jusque...
Ah bah tu vas aller à pied au boulot, allez. Bah oui. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, elle est partie bosser quand même. Ah ouais, c'est vrai que les nannies, elles lisaient le journal. J'avais oublié ça aussi. On croise les doigts qu'il ressemble à son père, quand même. Ah mais j'aurais dû faire track schedule, en fait, pour tous les moments où elle irait au taf, elle serait là. Je le referais, c'est pas grave. Oh là là, Shirley va devenir une vieille. Oh! Il est devenu Bombay! Oh, est-ce que la malédiction a frappé? Oui, la malédiction a frappé. Il a les yeux de Shirley. Les yeux marrons, les yeux de cochon. Il est devenu Bombay! Arrête de faire des câlins à mon fils! Espèce de pédobire. Vas-y, mais l'embrasse pas! C'est chelou! Par contre, il est déjà chauve, mon gosse, pourquoi? Regardez pourquoi il est chauve, mon gosse. Je suis pas chauve, moi. Ah oui, ça va ramper, hein, ça va faire des conneries, hein. Oh, regardez-moi cette crapule, il va déjà faire des conneries dans la flaque d'eau. Mais madame, vous avez pissé par terre, là! Regardez, vous savez pas surveiller un enfant, il va faire le con. Et voilà, il va faire le con. Tu comptes avoir un autre bambin? Non, je pense. Non, enfin, je sais pas. Je verrai si c'est trop galère avec John. Voilà, il fait le con. À la base, j'en voulais qu'un, mais comme c'est un garçon. Et la vieille ne dit rien. Regardez. Elle est là, elle attend que ça se passe. Il a pas à se croire. Allez, vas-y, va lui demander de l'attention. 452 simflouz. Maintenant, tu peux te barrer maintenant, madame, s'il te plaît. Dismiss. Allez, dégage. On va s'occuper nous-mêmes de notre enfant. Il peut encore dormir là-dedans? Oui, il peut. Oh, c'est merveilleux. Oh, ce câlin de l'enfer, comme c'est choupi. Il a besoin de quoi, ce morpion-là? Il doit pisser et il pue. Ah tiens, allez, tu vas l'entraîner au pot. Lui aussi il est fatigué, donc c'est merveilleux. Tu peux lui faire... Voilà, tu vas pouvoir lui mettre dedans. C'est une première. Oh, quel joli pyjama. Oh, maintenant tu dors. Et elle, elle va aller se coucher directement. Mais... Fous-le là-dedans. Il dormira. Par contre, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'ils n'ont pas de couverture dans ce Sims 2. Bon, tout le monde dort. C'est magnifique. Ben, nous, on va s'arrêter là, hein, pour cette fois. On passera une prochaine fois à l'éducation de cet enfant, si on y arrive.